Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la pêche. Moi, pour ma part, je vais très très bien, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait Manchester United au PAOK Salonique, match qui comptait pour la quatrième journée de phase de ligue de la Ligue Europa. Victoire des hommes de Ruud van Nistelrooy, 2-0 à Old Trafford, le seul buteur de la partie, car oui, c'est un homme qui a inscrit les deux buts, c'est l'Ivoirien Amad Diallo. Il ouvre le score à la 50e minute de jeu et il inscrit le deuxième but à la 77e. Et avec ce résultat, les Red Devils obtiennent leur premier succès, leur première victoire en Coupe d'Europe cette saison. Ça fait plaisir, enfin une victoire après trois matchs nuls de suite. Le classement, je te l'affiche juste ici. Donc on est actuellement à la 15e place. On a fait un bond au classement. Donc on est 15e, donc on est dans la partie play-off. On espère aller chercher le top 8 à la fin de cette campagne européenne. Ça serait cool. Mais voilà, il ne faut pas s'enflammer. C'est seulement notre première victoire. Mais en tout cas, on espère que cette victoire va amener d'autres victoires derrière en Coupe d'Europe. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe du PAOK Salonique. Globalement, ça a été encore une fois un match assez poussif de la part des hommes de Ruud van Nistelrooy. On a vu une équipe mancunienne qui, malgré les deux buts, a montré encore une certaine fragilité dans la confiance, dans le jeu, dans les passes. La connexion entre les joueurs est quand même assez fragile. On voit encore une petite fébrilité de la part des joueurs de United. La première période a été assez médiocre, on va pas se mentir, hein, même assez décevante. On avait une équipe de Manchester qui avait la possession balle. On a essayé de gêner cette équipe du PAOK Salonique, mais on fait preuve de maladresse dans les passes, dans les contrôles. Il y avait beaucoup trop de déchets techniques. Nos ailiers, ils n'étaient pas, comment dire, ils n'apportaient pas réellement de gros dangers, tu vois. Mis à part Amad Diallo, c'était le seul, mais sinon, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Bruno Fernandes qui a été un petit peu brouillon durant cette première période. Garnacho, c'est pareil. Højlund, il a été transparent, même tout le long du match. Hein, il a été mauvais. Donc, ouais, offensivement, c'était très compliqué. Après, défensivement, on n'était pas vraiment inquiet. Hein, PAOK Salonique, qui est offensivement, c'était très pauvre. Hein, proposait pas grand-chose, même s'il y a eu une ou deux occasions dangereuses. Heureusement pour nous, on avait un très bon André Onana, hein, qui, à un moment donné, a fait un magnifique arrêt devant une frappe de Madi Camara. C'était en fin de première période. Mais sinon, pas grand-chose à retenir. Hein. On s'est plus fait chier qu'autre chose dans ces 45 premières minutes. Donc, à la mi-temps, 0-0. Deuxième période, United qui attaque très fort. Hein. On voit que les Red Devils étaient bien entrés dans cette deuxième période. On ouvre le score à la 50e minute grâce à Amad Diallo sur un très bon service de Bruno Fernandes, l'Ivoirien qui reprend ce centre au second poteau, la tête qui lobe le gardien du PAOK, donc Amad Diallo qui marque avec un petit peu de réussite, c'est vrai, mais ça rentre quand même dans les buts du PAOK. Ça fait donc 1-0 pour les Mancuniens. Amad Diallo qui marque son premier but en Coupe d'Europe, ça fait plaisir. Même si après le premier but, on pensait que United allait justement enfoncer le clou. C'était quand même compliqué. Tu voyais que les Grecs du PAOK réagissaient. Ils ont eu des occasions. À un moment donné, il y a eu un gros danger dans la surface avec Evans qui avait lâché son marquage avec l'attaquant du PAOK. Je sais plus, c'était un Marocain. Je ne me rappelle plus du nom, mais il avait, à un moment donné, il était tout seul dans la surface. Et Onana, il a fait un arrêt assez miraculeux. Bon, après aussi, il a raté. Hein, il a chié dans la colle au dernier moment, l'attaquant du PAOK. Mais voilà, ouais, United qui montrait encore une certaine fébrilité après le premier but. Mais on se rassure dans le dernier quart d'heure avec le but d'Amad Diallo à 77e. Ce but est venu seulement de l'Ivoirien. Hein, il a fait ce but tout seul. Il s'est fait tout seul sur cette action. Tu vois qu'il a récupère. Hein, l'action, c'est une récupération de balle de l'Ivoirien. Il fait la différence sur son côté droit, il repique un petit peu dans l'axe et puis l'enchaîne avec une frappe enroulée, magnifique, hein, son but il est beau. À l'Ivoirien, il a fait la différence à lui tout seul, donc ça fait 2-0 pour les Red Devils. Ruud van Nistelrooy avait fait des changements aussi avec les entrées de Martinez, d'Eriksen ou encore de Marcus Rashford.
Ça a apporté ses fruits, hein, justement. Martinez qui a apporté un peu plus de solidité sur le côté gauche, Eriksen un peu plus de technicité, puis Rashford un peu plus de vitesse sur le côté gauche. Donc, ouais, voilà, Van Nistelrooy qui a fait tourner son effectif. Donc, voilà, victoire 2-0. Bon, ce match ne va pas rester dans les annales, hein, des supporters de United, mais en tout cas, voilà, c'est une victoire qui est importante puisque c'est notre premier succès, comme je disais, en Coupe d'Europe cette saison. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Ruud van Nistelrooy a alignée pour ce match. Le 11 de départ, je l'affiche juste ici. Donc, l'entraîneur néerlandais qui n'a pas bougé son système de jeu, hein, toujours ce bon vieux 4-2-3-1, avec André Onana dans les cages. La charnière centrale, c'était Victor Lindelof associé à Johnny Evans. Les latéraux, Nusayr Mazraoui à droite, Diogo Dalo à gauche. Casemiro et Manuel Ugarte devant la défense. Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine. Amad Diallo, milieu latéral droit. Alejandro Garnacho, milieu latéral gauche. Et en pointe, on retrouvait le Danois Rasmus Højlund. Les changements effectués par l'entraîneur des Red Devils. Donc, on a vu l'entrée, comme je disais, de Lisandro Martinez à la place de Diogo Dalo. L'entrée de Christian Eriksen à la place de Manuel Ugarte au milieu de terrain. L'entrée de Marcus Rashford à la place d'Alejandro Garnacho. On a vu aussi le retour de Mason Mount, le milieu anglais qui était blessé, qui a fait son retour dans le groupe mancunien, qui est rentré et qui a joué quelques minutes à la place d'Amad Diallo. Et pour finir, l'entrée de Joshua Zirkzee à la place de Rasmus Højlund. Que dire sur cette compo? Bah, une équipe un petit peu remaniée, surtout en défense. De Ligt laissé au repos, Martinez qui était sur le banc. On a vu la paire Evans-Lindelof. Bon, un petit peu fébrile au début, mais après, dans l'ensemble, c'était, voilà, ils ont été quand même costauds, surtout Lindelof qui a fait un très bon match derrière. Après, le reste, c'est du classique. Là, on a revu la paire Casemiro-Ugarte au milieu de terrain. On a vu Amad Diallo titulaire. Ça fait plaisir de revoir l'Ivoirien dans le 11 de départ. Et puis voilà, après le reste, comme je disais, c'est du classique avec les latéraux, Mazraoui à droite, Dalo à gauche. Après, il n'y a pas eu de gros changements dans le 11 de départ. Et puis les changements, bah, Van Nistelrooy qui a fait tourner, qui a fait jouer les titulaires, on va dire, les joueurs qui ont l'habitude d'être des titulaires comme Martinez, Eriksen, Rashford. Voilà, pas grand chose à rajouter pour la compo de Ruud van Nistelrooy. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils ont eu 52% de possession de balle, 9 corners, 9 tirs au total, donc 4 tirs cadrés. Un hors-jeu de signaler du côté du PAOK Thessalonique, 48% de possession de balle, 2 corners, 6 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, pardon. 0 hors-jeu de signaler. Donc quand on regarde les statistiques, possession de balle c'est équilibré, même si c'était à l'avantage, légèrement à l'avant du côté des Red Devils, la possession de balle, mais bon, c'était dans l'ensemble, c'était un petit peu équilibré. Termes d'occasion, United ont un petit peu plus, donc ils ont réussi à marquer. Pas au Thessalonique, c'était un petit peu plus pauvre. Bon, ils auraient pu égaliser juste avant le deuxième but d'Amad Diallo, mais voilà, ils ont manqué d'efficacité dans le dernier geste. C'est dommage pour eux, mais bon, là, c'est comme ça. Si t'es pas efficace devant la finition, bah tu rates, bah tu t'en mords les doigts après. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter pour les stats. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Comme d'habitude, je les affiche juste ici, j'ai du mal à parler. Dans les tops, bah, j'ai mis André Onana, le gardien camerounais qui a fait un bon match. Rassurant sur sa ligne, les passes, elles étaient un petit peu par moment un petit peu ratées, surtout en première période. Les relances, elles étaient un peu approximatives, mais bon, dans l'ensemble, il a fait son match. Le gardien camerounais était rassurant quand il le fallait. Donc c'est pour ça que je le mets dans les tops. La charnière centrale, Lindelof, Evans, j'ai préféré la prestation de Lindelof à celle d'Evans. Lindelof qui a été très solide, qui a gagné beaucoup de duels de la tête, beaucoup de tacles glissés, propre, hein, rien à dire. Un très bon match de Lindelof, les relances propres aussi. Il a fait son match, le défenseur suédois. Donc c'est vrai que ces derniers temps, quand on a fait appel à lui, il a répondu présent. Ça fait plaisir de voir Lindelof à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je le mets dans les tops. Ensuite, Evans. Il a fait un bon match, mais sans plus, tu vois. Bon, il a été assez discret. Il y a eu un petit moment de laxisme. Par moment, il était un petit peu laxiste sur son marquage. Mais dans l'ensemble, bon, il a été quand même correct dans ses interventions. Il n'a pas été mauvais.
Ensuite, les latéraux, Mazraoui, Dalot, les deux, j'ai mis dans les tops. Très bon match de Nousseïa Mazraoui, encore une fois. C'est le joueur le plus régulier de l'équipe depuis le début de la saison. Défensivement, il était au top. Rien à dire. Il a été solide. Il a gagné quasiment tous ses duels. Offensivement, il a été très très bon aussi. Il a combiné avec Amad Diallo. Ça faisait plaisir de voir une petite combinaison entre les deux joueurs sur le côté droit. Mazraoui, je le mets dans les tops. Dalot qui a fait un bon match également sur le côté gauche. La sérénité, les relances propres. Offensivement, il a été très très bon aussi. Bon match du latéral portugais. Le milieu de terrain, Casemiro, Ugarte, la paire sud-américaine, a fait un bon match également. J'ai préféré la prestation de Casemiro à celle d'Ugarte. Ugarte un petit peu plus discret que le Brésilien, même s'il a fait un bon match. Hein. Il a récupéré le ballon, s'est projeté vers l'avant par moment. Il a essayé de faire des différences, mais voilà, bon, il n'a pas été non plus exceptionnel. Hein. Il a été assez neutre, on va dire, dans l'ensemble, même s'il a fait un bon match, mais c'était assez neutre. Casemiro qui a fait un très bon match au milieu de terrain, qui a été vraiment le patron, le leader au milieu de terrain de cette équipe. Beaucoup de duels gagnés, beaucoup d'agressivité. Les passes, elles étaient justes. Techniquement, il a été très très propre aussi dans ses passes, dans ses centres également. Donc, très bon match de Casemiro. Bruno Fernandes aussi qui a fait un bon match dans l'ensemble, même si en première période, il a été un petit peu brouillon. En deuxième, c'était beaucoup mieux. Il a relevé son niveau de jeu. Il a joué simple, il a joué efficace. Et la preuve, il a été passeur décisif sur le premier but d'Amad Diallo. Donc c'est pour ça que je le mets dans les tops. Garnacho et Amad Diallo, c'est pareil. Au début, c'était un petit peu compliqué pour les deux. Même si Amad Diallo, il a fait une meilleure prestation que Garnacho. C'est lui qui a marqué les deux buts, c'est logique. Mais voilà, bon, première période, c'était un tout petit peu compliqué pour les deux aussi. Mais c'était mieux en deuxième. Garnacho qui a fait beaucoup de différence sur le côté gauche, qui a apporté du danger, qui a essayé de marquer, bon, même s'il n'a pas réussi, mais il a quand même fait un bon match dans l'ensemble. Amad Diallo, homme du match, hein, pour moi c'est logique, hein, c'est lui qui donne la victoire à United. Le premier, bah, il inscrit un but de la tête, c'est pas tous les jours qu'on voit Amad Diallo marquer de la tête. Là, je crois que la seule fois que je l'avais vu marquer de la tête, c'était face à Milan en 2021, c'était au tout début, lorsqu'il est arrivé à United, avant d'être prêté à Birmingham et à Sunderland par la suite, mais... Voilà, c'est pas souvent qu'on voit Amad Diallo marquer de la tête, mais ça fait plaisir. Et puis il marque un deuxième but qui est magnifique. Hein. Il a fait la différence à lui tout seul sur le côté droit. Donc Amad Diallo, je mets dans les tops. Et Hojlund, je le mets dans les flops. Vraiment, Hojlund, il a été transparent. Tout le long du match, j'ai pas vu une seule fois Hojlund dangereux. Il a été transparent, fantomatique. Même quand il a même pas décroché pour essayer de faire le jeu, pour proposer des solutions à ses partenaires, rien. Ça a été un plot devant. Il a été catastrophique au Lyon devant. Et puis les remplaçants, Martinez, Eriksen, Rashford, Mount et Xerxes. Le seul que je mets dans les flops, c'est Joshua Xerxes qui n'a pas été étincelant non plus dès qu'il est rentré, comme d'habitude, hein, j'ai envie de te dire. Mais les autres, Martinez qui a fait une très bonne entrée, Eriksen qui n'a pas été mauvais non plus. Bon, il a pas été catastrophique, mais il n'a pas été exceptionnel non plus. Hein. Il a été bon, mais sans plus. Rashford qui a fait une très bonne entrée également. Et Mount qui a pas eu beaucoup de minutes pour s'illustrer, mais voilà, donc qui a fait quand même une bonne entrée. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Manchester United PAOK Salonique. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, comme d'habitude. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.